ゼルダの伝説スカイワードソード前回までは What the f- OK! Il y a des eaux partout! Non, merci! Maître, fais au rapport. Je détecte un grand coffre. Je viens de le voir. T'as pas besoin de le détecter, on le voit. Ah! 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 Mais vous sortez de terre en plus! Mais vous poussez comme des pâquerettes! Ah! Oh! Ok! Vous savez, le printemps s'est passé, là. La floraison des pâquerettes, c'est bon, là. Oh, la bonne idée! Link! Oh, putain de merde! Ok! Grimpe, parce que je sens qu'il va y avoir une connerie pas possible. Je le savais! Je le savais! Ok, tu montes! Link, ton bouquin ga tsuzuku. Alors, si on se souvient bien, la dernière fois, on avait fait une belle partie de The Walking Dead. Et normalement, là, il faut qu'on redescende chercher la clé du boss. Si tout se passe bien, si je me fais pas bouffer. Ok, c'est un raccourci comme un autre. Donc il me faut la clé qui normalement doit être. Voilà, normalement doit pouvoir la voir. Alors par contre, je sens bien que je vais me faire attaquer par une horde de monstres ici. Ah, bon. Eh ben de toute façon, il va falloir la chercher. Puis je pense que c'est aujourd'hui qu'on va se faire le boss ensemble. Et vous allez voir à quel point je déteste ce boss. Je sais même pas si j'arriverai à le battre aujourd'hui. On verra, on va essayer. Bon, allez, je prends mon courage à deux épées. Et j'y vais. Ah, ça fait du bruit bizarre. Vous avez obtenu la statuette sereine. Cette sculpture en bois inspire la plénitude. Elle ressemble à la statue de pierre de l'étage supérieur. Ça inspire la zénitude, la plénitude, la je sais pas quoi, alors que je suis entourée d'os là, foutez de ma gueule. Et regarde la compte de toi, je le savais. Oh mon dieu, ok. Hop 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 hop. Ok, ça va. Mon dieu, j'avais pas envie de finir en crêpe là-dessous moi. Ça vous prend souvent comme ça d'écraser les gens avec vos pieds là? Non? Va vous faire voir, sans rire. Oh, j'ai pas envie de le faire ce boss, si vous saviez. Je vais d'abord les sauvegarder, ça c'est clair, mais cette fois-ci. Oh chérie. Allons sauvegarder avant de nous lancer quelque part, parce que merde. Voilà, tu vois, j'ai tellement pas envie de le battre que je nous fais faire des conneries, et que je pense que si on restait dans cette salle, eh ben ça irait très bien pour nous. Hein, Zelda, elle peut se débrouiller toute seule, non? Elle aligne pas, hein? On peut aller dormir? Non, chérie? Non, 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 d'accord. Okay. C'est pas grave, je t'aime quand même. Tu as le goût de l'aventure, c'est très bien. Moi, j'ai le goût de l'aventure, mais j'ai pas le goût du risque, là. Tu vois, tu comprends la différence entre les deux? Non. Oh, j'ai tellement pas envie, j'ai tellement peur. C'est l'un des... Je me rappelle plus exactement tous les boss qu'il y a dans ce jeu. Mais ce qui est sûr, c'est que celui-là, c'est dans mon top 3. Il y en a un autre aussi qu'on rencontrera beaucoup plus tard, que je ne supporte pas et qui me rend dingue. Ce sont des boss avec lesquels j'ai beaucoup de mal parce que ils me répugnent, ils me dégoûtent, j'ai un drôle de sentiment quand je les affronte et ça me plaît pas. Bon, ben c'est parti, je vais encore me faire ridiculiser à ce jeu-là. Ou pas. Nailed it. Eh ben, ok, du premier coup, ça veut dire quoi, ça? Qu'il faut que j'aille vite battre le boss? J'ai pas regardé si j'avais des fées, des potions, des trucs pour m'aider. Please, Link, tell me I have... Ok, j'ai une bouteille vide, ça ne me plaît pas du tout. Est-ce qu'avec une polypotion et une fée... Oh, je vais essayer. Si jamais j'y arrive pas, j'irai faire le plein de... J'irai me racheter une fée, enfin me retrouver une fée. Parce que les fées, c'est bien pratique, au moins tu peux te laisser mourir jusqu'au dernier cœur. Et ça te revit tout de suite, alors qu'une polypotion, t'as intérêt à l'utiliser alors que t'es... Link! Est-ce que tu me cherches des noises aujourd'hui, chérie? Parce que j'ai un petit peu l'impression que c'est ce que t'es en train de faire à moi.
Si t'as vraiment pas envie de battre ce boss comme moi, on peut aller se boire un café, hein. Enfin, toi un café et moi un chocolat, parce que moi j'aime pas le café. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment cette tronche de cake peut vous inspirer la plénitude? Vous pouvez m'expliquer ce qui... Hein? Non? En plus, il y a le cou qui s'allonge! Mais c'est moche! Mais ça fait peur! Oh, I don't wanna go. I'm... Ok, non, je ne vais pas sauvegarder ici, parce que ça veut dire que je ne peux plus redescendre, c'est ça? Je ne vais pas sauvegarder ici, je sauvegarde avant, c'est mieux. Oh mon dieu, je vais mourir. Link, donne-moi la force. Donne-moi la force, le courage et la sagesse, je t'en prie. Ok, on se calme, ça va, y'a pas besoin de... Salut. Quelle obstination. J'ai besoin de temps pour trouver le moyen de rappeler mon maître à la vie. Pourquoi faut-il toujours que des gêneurs comme toi viennent se mettre dans mes pattes? Ça, ça fait ton beau gosse, casse-toi. Oh non, oh non, oh non, oh non, 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 non. On peut pas aller dans un salon de thé et en discuter comme des hommes. Enfin, c'était pas vraiment un homme, mais c'est pas grave. Oh non, oh non, oh non, 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 non. Tu triches! T'as plus de bras que moi! Gardien aux mille bras, da, Ilova. Link, on est dans la merde. Ok, j'ai besoin de me calmer deux secondes. Ok, si je me souviens bien, vous avez vu au niveau de ses bras, il avait des espèces d'articulations qui font étrangement penser aux espèces de trucs qu'on tourne, là, les clés qu'on tourne avec le fouet. Donc si je me souviens bien, déjà il faut pas que je cherche trop des noises, il faut que j'attende qu'il attaque à full puissance et qu'il coince son bras normalement dans le sol et à ce moment-là il faut que je lui déboîte le bras. Je vais jamais y arriver. Qu'est-ce qu'il a fait? Si tu me dis que j'ai plus de pile, je te bute. Tu as toujours des trucs à dire vachement pertinents en plein milieu d'un combat, là. Je m'en fous. On va être obligé de faire avec, j'ai plus de pile, t'entends? Salut. Wow. 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 Là. Normalement, il peut pas m'avoir en fait! Non, c'était pas une bonne idée! Je peux pas les renvoyer. Oh putain, mon bouclier. Est-ce que tu veux pas m'attaquer comme un homme? Viens là! Viens! Oh putain, ok, voilà, j'ai fait une bêtise. Putain, faut être rapide et moi j'ai tendance à paniquer ma race. Pourquoi il faut que j'attaque ça? Je comprends pas. Voilà, c'est mieux. Allez, ramène ta fraise. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, j'aime pas ça les gens. Hop, 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 hop. Ok, s'il me détend, tout va bien. Ok, nickel. Voilà, te laisse pas. Oh, oh Link, amour. Excuse-moi, j'ai vraiment mal géré mon steak là. Je te demande pardon. Oh putain de... Oui, et donc? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il faut que je te... Oh! Non, je peux pas encore, on est d'accord. On est d'accord, tant qu'il a ses deux derniers bras, je peux pas l'attaquer. Ah si! Oh! Hop là! Oh, je le déteste. Ah, oh, je le déteste si fort. Mais si fort. Amour. Hop, 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 hop
C'est ça en fait, il a son truc qui le protège du milieu. Tu vas arrêter avec ça là? Tu vois pas que ça sert à rien? Allez, come on! I don't give a damn! Putain, excuse-moi, amour. Il s'est buté tout seul? Il s'est buté tout seul. C'est très bien. Putain, sinon je fais du coup. Je suis pas du tout à l'aise avec ce boss. Hein. Je vous préviens tout de suite, je suis vraiment pas du tout à l'aise. Mais alors vraiment pas du tout à l'aise. Je le déteste. Tellement. On va se calmer. Déjà, on va se calmer parce que je me sens pas bien du tout. Ok. Nanio. Ok, wakatta. Wakatta. Demo, imawa dameda. Imawa dameda. Il a encore ses bras. Link, lève-toi, amour. Ah non. Oh shit, d'accord. Oh fuck me. Ok, nickel. I understood. I understood, but. Oh putain. Oh je l'ai eu. Oh je l'ai eu, j'y crois pas. Bouge. Come on. Encore. Oh putain, je suis détestée. Ok, on a compris le système, on peut le faire. On peut le faire, chérie. Recule-toi. Wow. Ok. Non. Et non. Va falloir te calmer, mon pote, hein. Parce que la drogue, ça te va pas, hein. Qu'est-ce qu'il fait? T'es sérieux, hein? Est-ce que t'es sérieux? Link, debout! Mais qu'est-ce que tu me fais? Je m'en fiche de ça pour le moment! Il lui manque un bras, idiot! On se calme, I know I can do this. Oh merde, d'accord, il fallait que je le prenne. Ok, c'est pas la peine, j'aurais pas le temps. Je pensais pas qu'il allait s'y mettre tout de suite, ce con. Viens par là. D'accord, donc à partir du moment où t'as perdu deux bras, tu fais ça. Ah mais je peux déjà le faire comme ça, mais dites-le moi, ça aurait été plus rapide. Si j'avais su, je l'aurais pris tout de suite. Je pensais qu'il fallait que je lui pète les bras. Ah bah ça va être plus rapide alors. Enfin, tout est relatif. Chérie, va-t'en. Ce mec est fou. Ce putain de mec est fou. Ce putain de mec a un problème dans sa tête. Aïe. Faut te calmer, poteau. No matter what happened, I'm gonna fucking kill you. Okay.
Ok, là tu me gênes un petit peu. You're getting in my fucking way. I hate you so fucking much. You know that I hate you. And I fucking hate you. That's okay, Link. Or maybe not. Je vais essayer. De Bouddha, c'est la plénitude et la zénitude, hein. Parce que non, je proteste, hein. Non. Hein. Non. Bon, ce qui était bon à savoir, c'est que moi, quand je le battais avant, je prenais le temps de lui buter tous ses bras, parce que je pensais que je pouvais pas atteindre son cœur autrement. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, en fait, il est plus facile à vaincre quand on sait qu'à partir du moment qu'il a perdu deux bras, tu peux lui prendre une épée. Même un seul bras, en fait. À partir du moment où tu peux récupérer son espèce de long sabre, tu peux lui buter la gueule. Donc, en effet, c'est plus simple. Mais bien sûr, ça, il faut le découvrir par toi-même, parce que personne ne va jamais t'aider à remplir des... Je veux rentrer chez moi. Fait, écoute, pour aujourd'hui, je vais bien accepter de te voir danser. Ça va peut-être me mettre dans un état de plénitude et de zénitude que ne m'a pas du tout transmis la statue de Bouddha tout à l'heure. Oh, c'est le symbole de Pharaon, ça. Ou de Dain. Non, c'est Dain, ça. Je commence à raconter des conneries, moi. Faites pas attention à ce que je dis. Je ne suis pas dans mon état normal. Amour. Eh ben, oh, génial. En recevant la flamme de Pharaon, donc je me suis dit, j'étais bien dans le vrai au début. La flamme de Pharaon, la lame de votre épée s'est allongée et son tranchant s'est amélioré. J'avais bien dit que j'étais fatiguée, j'ai dit des conneries. C'était bien Pharaon. Force du courage. Votre épée a évolué grâce à la flamme sacrée, maître. Sans déconner! Maître, vous avez acquis la force nécessaire pour apprendre un nouveau chant. Je vous recommande de vous rendre dans le ciel sur l'île aux champs. Ok, nice! On va aller... faire une petite chorale? S'il vous plaît, oui. C'est pas que j'ai un petit peu galéré à le buter, cet autre enfoiré, là, mais un petit peu. Et toi, reviens, sinon je vois pas où j'en suis. Suffit, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, salut! Ton épée a évolué, on dirait. Malgré ton apparence de bambin, tu serais donc l'élu de la déesse. Cependant, tu n'as pas encore atteint la grandeur d'âme que ton épée exige. Prépare-toi à entraîner davantage ton esprit. Bien sûr, madame, qu'il y a une cascade qui coule dans le gosier. Au revoir. Adios. Amigos. À jamais. À un de ces quatre. On se fait une bouffe? Non? Ok. C'était juste une pure question. Yahoo! Alors, j'ai complètement oublié de regarder dans mon livre de code un petit peu quels sont les... Comment on appelle ça? Les side quests qu'on peut faire...
ici. Du coup, on fera un épisode de SideQuest dans le prochain, prochain épisode. Ah, et pendant que j'y pense, je vais vous le mettre là. Mais Captain Kaizo, ça fait un moment, hein, mais j'ai pas eu l'occasion de vous le présenter. Captain Kaizo m'a fait un magnifique dessin de mon OC de The Legend of Zelda Lyra avec Link, mais la version CDI. Donc voilà, je vous mets le dessin là, à côté. J'étais juste morte de rire quand elle m'a envoyé ça. Sachant à quel point je déteste cette version, et je trouve qu'elle vraiment, elle fait vraiment pas du tout honneur aux légendes de Zelda. C'est une catastrophe ambulante. Enfin bref, j'ai beaucoup ri en recevant ce dessin et je voulais le partager avec vous. Si jamais vous avez des dessins de The Legend of Zelda, oula, une tornade, que vous voulez, enfin de The Legend of Zelda qui mettent en scène Link et moi ou mon OC de Lyra et que vous voulez les partager, ben je les mettrai sur la vidéo comme ça, comme je l'ai fait déjà, je pense que c'est la troisième fois que je le fais, ou quatrième fois. Et voilà, ça me fait plaisir et j'aime bien partager tous ces trucs-là. Bref, en attendant, allons sur l'île au champ, récupérer le nouveau champ qui nous manque. Et on verra si on n'a pas... Hop, 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 ok. Mais dégagez. Mais c'est quoi votre problème? Dégage. Ah, je t'ai pas eu. Ah, mais vous allez me lâcher le troufion, là? Sans rire. On n'est jamais tranquille, ici. Oh. Oh. Oh, oh, doucement, peut-être ce. Sois sage. Voilà, je me sens, ça va très bien. Oh, presque en concentre. C'est beau. Et vous le croyez ou non, on a toujours pas assez de rubis pour acheter la dernière sacoche. Je vais tuer Terry. Un jour, dans son sommeil, il va se réveiller, il aura plus la tête sur ses épaules. On ne va pas chercher bien loin qui c'est qui l'a fait. Qui c'est qui lui a tranché la tête? Ça sera sûrement moi. Bon. C'est parti, apprenons le nouveau chant. Allez, viens chanter, toi, espèce de creepy statue, là. C'est vachement perturbant, excusez-moi. Maître Link, fait au rapport. Les mots de la déesse sont éveillés en moi lorsque vous avez utilisé l'éclat céleste sur l'emblème. Il s'agit d'un message pour vous, maître. Allez, danse. Ballerina. Toi qui poursuis ta quête des trois flammes sacrées, je vais du fond des temps à nouveau te guider. Brûle deux flammes sacrées qu'encore tu dois trouver, de nouvelles reliques qu'il te faudra gagner. Pour que te soit remis cet talisman sacré, d'exigeantes épreuves tu devras surmonter. Le pouvoir des reliques, le chemin t'ouvrira, et des flammes sacrées l'éclat t'enchantera. Or, écoute ce chant dont les accents révèlent l'épreuve que renferme le désert de l'anel. Oh non! Oh non, la psy Alice! Give me a break! Merci pour ce moment de plénitude et de zénitude. La sagesse de Neru. Tel est le nom de ce champ de connaissances qui vous guidera, maître. Ça, c'est le courage de Faror. La force de Dain. Et la sagesse de Neru. Si je dis des conneries alors que je me prétends être une fan de The Legend of Zelda, on va me taper sur les doigts, mais... Je suis pas infaillible. J'ai mémorisé la sagesse de Neru. Vous pouvez à présent détecter l'entrée de l'épreuve. Dirigez-vous vers le désert de l'anel.
Nope, avec un grand N. On va aller faire autre chose de notre vie, là, parce que... Hein? J'ai le droit de me reposer? Un peu? On va aller faire un tour à Célestbourg. Mais je m'en fiche. Bon, est-ce qu'on avait libéré des cubes de la DS? Je sais plus. Il faudra qu'on s'occupe de tout ça aussi. Sors, Link. Sors à moi. La vie est belle chez nous. Il fait pas beau ici, il fait pas beau chez nous, mais c'est pas grave. Il n'empêche que je suis avec toi, nous sommes ensemble, nous allons prendre un petit peu de repos bien mérité. Alors, let's see. Ah, ben tenez, regardez un peu ce que nous avons là. Alors, attends, maman, Link. Allez, grimpe. Oh, chérie, oupla. Oh, il est juste là. Oh, oh, Gomen Dasei, Akatsuki. Gomen. Hop là. Oh, je suis vraiment un mauvais conducteur de Célestrier, ça va pas du tout ça. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ah, mais il pleut. Ah oui. Regardez ce chiffre monter. Regardez ça. On n'est pas loin. On n'est pas loin, les gens. On n'est pas loin. Pardon. Je fais des conneries. Aujourd'hui, c'est vraiment pas mon jour. J'aurais peut-être pas dû tourner. C'est Corse Party qui m'a mis dans un état monstrueux. Bon. Dézoome-moi ça. Est-ce qu'on en a encore ou pas? C'est tout. Oh shit. Ok. Toi, va-t'en. Ah ouais, on a rien d'autre. Hein. Non. Bon, c'est pas grave. On va quand même aller faire un tour à Célestbourg. J'aimerais voir. Si on n'a pas moyen de faire des améliorations sur la plupart de nos objets. Nos artefacts, nos armes, et savoir exactement ce dont j'ai besoin pour aller faire un petit peu les courses. En évitant bien sûr de faire l'épreuve de l'année tout de suite parce que je n'ai absolument pas envie de m'y mettre. Je n'ai absolument pas envie de faire et un boss et une Psy-Salis. Parce que ces espèces de géants de merde, ils me font hyper peur. Il n'est pas question que je vais avoir une crise cardiaque. Je pense que personne ne veut ça. Vous ne voulez pas ça, hein? Rassurez-moi.